Mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo-Climat. Petite baisse des températures donc aujourd'hui. Sur la moitié nord, on revient tout simplement dans des valeurs de saison. Et nous avons des conditions anticycloniques qui vont s'installer pour un certain temps tout de même sur le pays, au moins jusqu'à mardi, se décalant légèrement vers l'Europe centrale et faisant remonter la chaleur à partir de vendredi sur pratiquement toute la France. Mais pour l'heure, cet après-midi, un peu comme ce matin, on retrouvera un ciel laiteux sur une grande partie du pays avec quelques ondées en direction de la côte d'Opale, un ciel plus dégagé autour du golfe du Lion, quelques averses sur les Pyrénées ou encore en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faisait frais ce matin. Les températures vont donc grimper cet après-midi avec des valeurs de saison sur la moitié nord, légèrement excédentaire dans le sud. On aura 19 degrés à Paris, 20 degrés du côté de Besançon, 22 à La Rochelle et jusqu'à 29 degrés autour du golfe du Lion. Pour la suite, très peu de changements. Quelques nuages près des côtes de la Manche pour votre soirée, ainsi que sur les Pyrénées ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures vont continuer de baisser. On aura seulement 8 degrés sur les coups de 23 heures du côté de Nevers, 9 degrés à Reims, 15 degrés encore une fois à La Rochelle et 22 du côté de Nice. En matinée, de nouveau, le soleil qui domine, un ciel légèrement voilé sur la moitié nord avec quelques ondées encore une fois vers la côte d'Opale, des entrées maritimes vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans l'après-midi, un ciel plus nuageux vers les Hauts-de-France avec quelques ondées ainsi qu'un ciel plus chargé également vers le Finistère. Les températures en matinée, comme ce matin, il va faire frais localement de l'intérieur de la Bretagne jusqu'au nord-est. Et en passant par le massif central, notamment dans les campagnes, on peut descendre en dessous des 5 degrés. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires de 18 à 20 degrés sur le nord de la France et des pointes jusqu'à 28 degrés du côté de Toulouse, en passant par 26 sur le Pays Basque. Pour la suite, on attend donc des matinées fraîches au moins jusqu'à samedi. Mais vendredi, on attend de nouveau une hausse des températures par le sud, puis sur toute la France au moins jusqu'à mardi. On restera jusqu'à 9 degrés au-dessus de normal de saison. Avec un temps très calme qui se dessine vendredi. Toujours ce ciel un peu plus voilé dans le nord-est, une moyenne de 22 sur le nord, 26 dans le sud. Et pour votre week-end, des conditions encore estivales avec des températures qui vont donc dépasser localement les 20 degrés sur la moitié nord. Les 30 degrés seront avoisinés dans le sud du pays avec des entrées maritimes tout de même autour du golfe du Lion et le vent qui va souffler. Mais tout de suite, place au journal. On se retrouve juste après. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Hausse des températures durant le week-end. On va de nouveau passer largement au-dessus des normales de saison. Mais attention à la fraîcheur matinale qui était présente d'ailleurs ce matin sur une grande moitié nord du pays avec des températures en dessous de 5 degrés. Des conditions anticycloniques qui vont s'installer, se décalant légèrement vers l'Europe centrale. Cet après-midi, on va retrouver un ciel laiteux sur une grande partie du pays avec quelques ondées vers les Hauts-de-France. Plus de soleil autour du golfe du Lion, des averses sur les Pyrénées ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des températures de saison sur la moitié nord de 16 à 20 degrés, légèrement excédentaire dans le sud, 23 degrés à Bordeaux et jusqu'à 29 degrés à Perpignan. Ce soir, très peu de changements, quelques nuages le long des côtes de la Manche avec quelques ondées, même chose vers les Pyrénées ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un ciel un peu plus nuageux. Les températures vont continuer de baisser au cours de la soirée, 8 degrés seulement à Nevers, 9 degrés du côté de Reims et 22 à Nice. En matinée, c'est de nouveau le soleil qui va nous accompagner, toujours ce petit voile de la Bretagne jusqu'au nord-est, quelques ondées vers la côte d'Opale, des entrées maritimes vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans l'après-midi, un ciel un peu plus nuageux vers les Hauts-de-France avec quelques ondées possibles. Même chose pour le Finistère. Les températures en matinée, il fera frais de nouveau de la Bretagne jusqu'au nord-est et en passant par le massif central, on aura des valeurs qui descendront en dessous des 5 degrés et dans l'après-midi, très peu de changements, des valeurs entre 18 et 20 degrés sur le nord jusqu'à 28 degrés du côté de Toulouse. On attend donc une nouvelle hausse des températures à partir de vendredi durant le week-end et ça devrait durer jusqu'à mardi, jusqu'à 9 degrés au-dessus des normales de saison avec un temps très calme, le soleil qui domine, un léger voile encore une fois dans tout le nord-est, du vent autour de la Méditerranée et pour votre week-end, très peu de changements en vue si ce n'est donc les températures qui vont grimper et des entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent qui va souffler pour dimanche. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur France 2.